Comme dans la casa de papel, on assiste au braquage. Il frappe là où les bas blessent. Il arrache notre ménage. Le peuple fait face à l'insécurité. Jusqu'à là, peu d'autorités se sont prononcées. Le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Nos nuits sont devenues indésirables. Nos sommeils insupportables. Je voulais être un militaire. C'était même mon rêve. Mais malheureusement, ça trouvait que chaque fois que j'étais en train d'emmerder le vieux, je veux être un militaire, je veux être un militaire. Il dit, il n'y a pas de problème. Une fois obtenu ton bac, après 2 ans, je vais essayer de voir avec un ami, donc pour que tu puisses être inscrit à l'EMIA. Ça, c'était en 2011. Donc, on était en train de préparer les documents, tout, les contacts. En 2012, il y a eu un coup d'État avec autant de ATT. Donc, c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Donc, c'est là où vraiment je n'ai pas eu la chance vraiment d'être un militaire. Sinon, c'était mon rêve. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir un politicien. Mais au fil des années, plus que je prenais de l'âge, vu comment les politiques se comportaient, ça m'a fait savoir que dans ce milieu, les pratiques qui se font ne sont pas vraiment les valeurs que qui sont en moi. Parce que je suis quelqu'un de très rigoureux. Et la parole donnée est vraiment sacrée pour moi. Et ce qui n'est pas beaucoup le cas chez les politiques. Donc, dès le bas âge, je suis qu'il faut dans notre société d'autres exemples que ces politiques. Mais que tu n'étais pas obligé de t'engager dans la politique comme eux. Non.